Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Kepler 3042, mon petit jeu un peu du moment, là j'enchaîne les parties. Et on va continuer notre parcours de différentes campagnes de ce jeu. Donc la précédente vidéo, pardon, on avait fait les Fils du Progrès. Alors je vous avais montré que la mission, le niveau 4 en fait, dans lequel on faisait un peu les 4 objectifs, et j'ai demandé si vous vouliez que je fasse pour le Sagittarius A, donc la campagne mission difficile, les missions un par un. Donc j'ai un utilisateur qui m'a répondu, chapeau soupe, qui m'a dit qu'il aimerait bien avoir ça. Malheureusement, j'avais déjà commencé avant d'attendre la réponse. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter uniquement la mission 4, le niveau 4 de Sagittarius A étoile. Qui est niveau difficile, et peut-être pour civilisation hybride à ce moment-là, donc la campagne extrême, donc la quatrième sur cinq, je ferai les différentes missions. Parce que du coup, effectivement, bon, faire une vidéo à chaque fois, enfin j'adore ce jeu, donc il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que je me suis dit que peut-être que pour vous, peut-être un peu marre de voir du Kepler à fond les ballons, donc je faisais qu'une seule vidéo qui regroupait les quatre missions. Donc voilà, donc le niveau 4. On sent une nette augmentation de difficulté, hein, entre celle d'avant, les Fils du Progrès, et celle-ci. C'est un petit peu chaud tendu, hein, les difficiles, c'est pas pour rien. J'ai un peu peur que du coup que les deux autres, je ne les passe pas, les civilisations hybrides et progéniture supérieure, là, les deux dernières campagnes. Déjà, je ne suis même pas sûr de finir de réussir cette mission-là, on va venir voir. Un petit récap des scores que j'ai fait aux précédentes missions. Donc, ce Sagittarius A, en termes de difficulté, donc c'est un niveau 3 sur 5, difficile. La première mission objectif, c'est le soutien logistique. Soutien logistique, ça nous demande de coloniser au moins 3 planètes posant de l'énergie. Donc là, du coup, autant avant, tu faisais pas trop gaffe à ce que sur quoi tu allais coloniser uniquement pour les points de victoire. Là, par contre, quand une planète se révèle, tu vérifies bien qu'elle produit de l'énergie. Sinon, ça compte pas dans ton objectif. Donc ça, c'est à peu près, c'est plutôt bien passé. J'ai fait 37 sur 30. Donc ça m'a octroyé un petit bonus, je ne sais plus ce que j'ai pris du coup pour la mission d'après. Après, vous voyez que les scores se sont relativement rapprochés de la limite, et puis on était au niveau de la limite pour la troisième mission, parce que c'est de plus en plus dur. Donc ça, c'est soutien logistique, il faut coloniser au moins 3 planètes avec produits d'énergie. Ensuite, pour la mission 2, niveau 2, on avait la logistique intérieure à mettre en place. Il faut terraformer au moins 3 planètes de la zone intermédiaire. Donc terraformer 3 planètes, hein, c'est pas négligeable, donc ça se fait. Donc là, tu peux cibler des planètes de haut niveau pour faire des points quand tu les terraformes, ça passe. Par contre, ça passera plus après, parce qu'après, il faudra faire des choix, tout simplement. Donc là, il faut terraformer au moins 3 planètes de la zone intermédiaire. La zone intermédiaire, je rappelle, c'est celle qui est ici, hein, donc ici ou même derrière, là tu peux aller, si tu mets des planètes là, tu peux très bien aller ici, terraformer celles qui sont là. Bon, c'est quand même plus facile de passer par là, de toute façon, parce que ça te donne accès à la zone lointaine qui est ici. Donc ça, c'est le deuxième niveau de la mission, qui est ce logistique intérieur. Donc là, du coup, là j'ai fait 42 sur 40, hein, voilà. J'ai pas eu beaucoup d'antimatière, voilà, j'ai pris que des planètes de la zone intermédiaire. Après, bon, voilà, ça s'est fait, ça s'est joué très 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 juste. Le niveau 3, il faut terraformer au moins une super terre. Donc déjà, ça t'oblige à trouver une super terre, ce qui n'était pas le cas avant dans les différentes missions. Donc là, du coup, tu dois trouver une super terre. Alors avant, effectivement, je prenais les points d'objectif, il fallait avoir 5 planètes différentes, enfin coloniser sa planète différente. Donc du coup, j'avais forcément une super terre. Le problème, c'est qu'après, il fallait trouver une super terre qui produise de l'énergie, pour être raccord plus ou moins avec le niveau 1, et des super terres qui produisent de l'énergie, et ben tu vois que la 5 n'en fait pas, la 6 non plus, la 7 non plus, et non, aucune, enfin tu vois, aucune super terre ne produit d'énergie. Voilà, tout simplement. 6, 7, toi tu joues avec les 6, 7, 16, 17, donc tu as 4 super terres au total, sur toutes les planètes, donc il faut arriver à trouver une super terre, déjà c'est chaud, et il faut la terraformer, et il faut essayer de la terraformer, du coup, pour comboder ces deux-là, en zone intermédiaire. Voilà. Et en plus, il faudrait qu'elles produisent de l'énergie, ce qui n'est pas le cas. Donc, du coup, tu es obligé d'aller coloniser d'autres planètes. Donc, tu ne veux pas uniquement coloniser que des super terres. Il te faut 3 planètes. Alors, il faut juste les coloniser, il ne faut pas les terraformer, on est sauvé. Mais bon, ça, déjà, c'était un petit peu chaud patate. Parce qu'il faut, donc, tu auras le coût de terraformer une super terre. Donc, terraformer une super terre, en fonction des super terres que tu arrives à trouver, le coût de terraformation n'est pas très élevé. C'est un d'énergie, un de matière. Après, quand tu as les super terres un peu plus élevées, c'est déjà un peu plus cossu.
Sachant que pour cette mission, j'étais arrivé au niveau 3 de terraformation. Je crois que j'ai pas atteint le niveau 4. Tant pis pour les planètes aliens. Mais c'était un petit peu tendu. C'est pour ça que du coup, j'ai fait un petit 50 sur 50. Tout rond, tout pile poil. Donc là, j'ai eu la chance de pouvoir produire l'antimatière sur la fin. Donc d'avoir 4 antimatières sur mes planètes. Donc j'ai gagné, gratté 4 points avec ça. J'ai pu mettre un vaisseau sur une mine, je crois. Je sais plus où il est. Ici. Voilà, j'avais un vaisseau sur une mine. Par contre, tu vois bien qu'ici, là, j'ai amené aucune technologie au niveau maximum. Voilà. Là, il faut faire des choix. Quand on demande de terraformer, de toute façon, tu ne peux pas à la fois te développer technologiquement et terraformer tes planètes. C'est pas possible, il faut faire des choix. Et pour couronner le tout, dans cette mission, dans cette campagne Sagittarius A, le niveau 4, c'est la logistique extérieure qu'il faut mettre en place la dernière mission, c'est-à-dire qu'il faut terraformer au moins 2 planètes en zone lointaine. C'est-à-dire que il va falloir qu'on colonise 3 planètes qui produisent de l'énergie, qu'on terraforme 3 planètes en zone intermédiaire, qu'on terraforme 2 planètes en zone lointaine, dont tout ça, dans 5 planètes-là, il faut qu'il y ait une super Terre. Donc il faut faire 5 terraformations. C'est énorme, 5 terraformations. Donc du coup, tu ne pourras pas développer ta technologie. Ça, c'est une évidence. Donc je pense que pour cette mission-là, je ne vais pas faire les objectifs de coloniser 5 planètes de type différent. Mais je vais plutôt partir sur 3 planètes de même type parce que je ne vais pas pouvoir monter ma technologie de colonisation ici jusqu'à pouvoir coloniser des planètes aliens. Attendez, je prends la petite fiche là que je mets ici. Le générateur antimatière, ça va être très compliqué d'aller jusque-là en termes de développement technologique parce qu'il faut garder des ressources pour justement pour terraformer. Donc du coup, est-ce qu'il, pareil pour cette stratégie, pour cette mission-là, plutôt cibler des planètes ayant un faible coût de terraformation. Elle rapporte peut-être moins de points, mais il faut arriver quand même à terraformer 5 planètes, ce qui est énorme. 5 planètes à terraformer, tu peux pas toutes les faire en un tour, il faut les faire plusieurs fois de toute façon. À moins que tu prennes que des planètes, tu vois, si tu prends la 1, la, si tu vises la, je sais pas, la 4, la 3, la 8, déjà il faut que tu colonises 3 planètes qui produisent de l'énergie, c'est un petit peu compliqué. Voilà pour cette fin de campagne qui s'annonce un petit peu chiadée. Je sais franchement pas si je vais y arriver. J'ai un petit peu galéré à la partie d'avant. Et là, je pense que ça va être pire, tout simplement. Bon, l'avantage, c'est que tu peux choisir où tu mets tes planètes, tes astres, tes corps célestes. Déjà, on va commencer par préparer le paquet de progrès. Donc, on dégage, comme d'habitude, en mode un joueur, les corps d'expansion, on mélange. Et on va en tirer une autre carte, donc on ne sait pas laquelle c'est, on va rendre au pif celle-ci, je ne la regarde pas, je la mets là, hop, donc je suis, ça, je le mets dans ma poche de carte de progrès, je ne les regarde pas, voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, donc du coup, vu que c'est le niveau 4, scénario 4, je commence avec 3 d'antimatière, plus 1 énergie ou 1 matière pour chaque 5 points de victoire au-dessus du score, j'ai fait 50-50, donc je ne commence malheureusement avec 3 antimatières dessus. Bon, c'est toujours bon à prendre, hein, c'est un point de développer technologiquement rapidement, je pense, ma vitesse, hein, une technologie que j'apprécie particulièrement. Voilà. Après, en essayant de faire peut-être l'amener au maximum, là, pour essayer de développer des vaisseaux qui ne coûtent plus qu'un d'énergie et pas de matière pour les produire. Et pour essayer, après, les envoyer sur des mines, parce qu'il va falloir explorer pour trouver les planètes qui correspondent. On ne peut pas se permettre de se poser sur une planète trop coûteuse en terraformation ou qui ne produit pas d'énergie parce qu'on ne valide pas nos objectifs. Pour continuer à répondre à la question de notre ami qui m'a demandé si en termes de rejouabilité on pouvait mixer entre les différents scénarios et les objectifs de différents scénarios, c'est-à-dire que tu prends l'objectif 1 de la campagne 1, l'objectif 2 de la campagne 2, l'objectif 3 de la campagne 3 par exemple, tu vois, j'ai envie de dire non parce que ils marchent pas forcément ensemble, tu ne veux pas tout faire. Les fiches de progrès étaient uniquement basées vraiment sur le développement technologique, là où celui-là typiquement Sagittarius A est vraiment développé sur la terraformation. On ne peut pas faire les deux, on accesse tour, on peut pas faire les deux, c'est pas possible. Donc tu peux pas faire une campagne en mixant les différents objectifs qui sont pas dans la même du même style, quoi. Je pense que ça va être très compliqué si on te dit typiquement là en termes de terraformation, en termes de terraformation, tu peux, je pense, rapidement atteindre la fin de ligne ici
de colonial, parce que chaque fois que tu terraformes une planète, tu la retournes, c'est à travers des petites pastilles. Par contre, la technologie, là, jamais tu arriveras au bout, là, c'est pas possible. Tu pourras jamais atteindre l'objectif de suprématie technologique, par exemple. Ça va être compliqué. Et je pense que c'est un peu ce que propose le dernier scénario, qui s'appelle Progéniture supérieure. Il faut faire d'abord l'objectif 1, suprématie coloniale. Donc, attendez, je vais aller voir quels sont ces objectifs-là, mais pour la dernière... C'est peut-être ce que propose le dernier scénario, le niveau utopique, donc là, même pas, tu l'oublies. Donc lui, son niveau 1, c'est suprématie coloniale. C'est-à-dire qu'il faut arriver au bout de la piste de colonie. Après, il te propose plan colonial, il te demande plan colonial. Terraformer au moins une planète dans chaque zone de la galaxie, proche, intermédiaire et lointaine, voilà. Après, il faut que tu fasses une suppression technologique. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives au bout de la piste technologie. Et enfin, il faut que tu fasses une logistique intérieure. Logistique intérieure, s'il est là, je crois. Il faut que tu terraformes au moins 3 planètes de la zone intermédiaire. Voilà. Donc du coup, c'est que des objectifs avancés du jeu, ceux qui sont repérés par ça. Donc là, il faut que tu montes à fond cette piste-là et que tu terraformes en même temps. Franchement, pour y avoir joué un petit peu au jeu, là, je vois pas comment. Après, je suis pas non plus un expert. Hein. Y a peut-être des stratégies que je n'ai pas, mais je vois pas comment, tout simplement. Déjà, si on arrive à faire celle-là, c'est pas mal. Après, on essaiera le civilisation hybride. Et là, j'essaierai de faire les missions une par une. Parce que c'est que des missions qu'on n'a pas vues pour l'instant. Après, la dernière, celui qui est utopique, le progéniture supérieur, il permet de... Enfin, ouais, ça te prend des... Je pense tous les objectifs durs du jeu, quoi, tout simplement. Donc je ne pense pas qu'on puisse mixer les objectifs entre eux pour créer des nouveaux scénarios. Alors peut-être, je vais peut-être m'y pencher dessus, effectivement, peut-être. On est toujours bien les cartes différentes. Tu as peut-être moyen de créer un petit scénario de 4 objectifs. En mixant les cartes, mais du coup tu les choisis, tu peux pas les prendre au hasard, enfin pas au hasard, tu peux pas les prendre comme tu veux dans le pool des objectifs, quoi. Il faut que ça soit vraiment cohérent, sinon tu n'y arriveras pas. Enfin, je pense que tu n'y arriveras pas. Enfin, en tout cas, je sais que je n'y arriverai pas, tout simplement. Également en termes de stratégie, c'est vrai que j'avais tendance à partir ici, monter là-bas après. C'est vrai que tu disais dans ton commentaire que j'avais un peu la même stratégie, c'est vrai. Pour les deux premières campagnes, là, c'est complètement différent parce que déjà, il faut que tu terraformes des planètes ici. 3 ici, 2 ici, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, effectivement, c'est vrai que la mission 2, c'est vrai que je ne l'ai pas filmée, mais du coup, 3 planètes en zone intermédiaire, c'est vrai que vu que c'est toi qui choisis où tu mets les planètes, j'avais mis beaucoup de planètes ici, et aucune là et aucune là. Donc, on va avoir un maximum de planètes ici, un maximum de choix. Là, il va falloir que je sépare mon choix entre ici et ici pour avoir un choix. De planètes à coloniser, terraformer de faibles coûts. Ils vont effectivement me rapporter moins de points de conquête, moins de points de victoire à la fin. Mais peut-être il va falloir cibler, je sais pas, peut-être une grosse planète à coloniser, à terraformer qui en rapporte 4. Je pense laisse tomber les planètes aliens, je n'y arriverai pas. Une planète à terraformer de niveau 4 qui rapporte 4 points et les autres qui rapportent genre 2 points. De toute façon, les super terres, c'est des super terres à 3 points. Voilà, donc peut-être essayer de choper une super terre, mais ça va être un petit peu compliqué. Donc on va procéder du coup à la mise en place des planètes, tout simplement, des corps célestes. Alors je mélange. Donc du coup, il faut que je terraforme 3 planètes de la zone intermédiaire. Donc déjà, je pense que je vais blinder ma zone intermédiaire de planètes, tout simplement. Voilà, donc là, celle-là je l'ai vue, donc je la remélange dans mon tas. Voilà, je vais blinder ma zone ici de planètes intermédiaires, la zone intermédiaire avec beaucoup de planètes, et je vais faire pareil avec ma zone lointaine, parce qu'il faut que j'en terraforme 2 ici, et quitte à choisir, je vais essayer. Du coup, ce faisant, je ne vais pas avoir de planètes en zone proche, mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça, parce que de toute façon, c'est clairement pas l'objectif, quoi. Donc j'essaie d'en mettre un maximum ici. Le problème, c'est qu'en faisant ça, si j'en mets un maximum ici, je ne vais pas voir... tu vois, il me reste 2 à mettre. Si je fais comme ça, tu vois, regarde. Là, voilà, là j'ai eu toutes les planètes, là. Et j'ai aucune planète en zone ici. Voilà. Je vais tenter comme ça, pour avoir un maximum de choix, que ce soit ici et ici. C'est vrai, j'aurais peut-être pu mettre plus de planètes là. Je n'ai que 6 planètes en zone lointaine. Est-ce que j'en mettrais pas, genre, une de plus? Est-ce que j'enlèverais pas, genre, celle-ci qui est là?
pour la mettre là, par exemple, voilà, pour avoir plus de planètes, pour avoir 8 planètes ici. Et là, ben là j'ai une belle ribambelle de planètes ici. Pour faire ma terraformation, il faut que je terraforme 3 planètes là, 2 planètes là, dont une super Terre dans une des deux. Clairement, je ne pourrais pas tout faire. Enfin, je ne pourrais pas à la fois faire. Donc, du coup, je vais pouvoir mettre mes objectifs en bas. De toute façon, là, je n'ai pas mes objectifs. Hein. Ils sont ici, là, je ne vais pas aller dans cette zone de la galaxie. Après, essayer de trouver des mines à la fin de la partie, c'est important. Ça fait gagner 2 points par vaisseau sur une mine, c'est assez important. Donc, voilà mes objectifs. Alors, donc, du coup, bon, déjà, si je les réussis, ça me rapporte 5. Non, là j'ai 4, là j'ai 10, ça me rapporte 10, 14, 17 points. J'ai 17 points d'objectif validé, ce qui est plutôt cool. 17 points sur 60, c'est soit 60 qu'il faut faire, hein, c'est ça. Il me reste 43 points à faire en reste. Que ce soit en pastille, en médaille, en technologie, voilà, donc bon. Bah, du coup, on va commencer la partie. Je vous propose de révéler les planètes qui sont en zone proche. Il n'y en a pas, donc je ne révèle pas de planètes, tout simplement. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Du coup, on va avancer. Ben, de toute façon, le début de partie est relativement le même à chaque fois. C'est-à-dire que j'augmente toujours ma vitesse de déplacement de vaisseau de 1. Et ma fusion à froid, ici. Je vais vous montrer ici, puis ça sera plus simple. Celle-là, le développement énergétique, ici, pour produire 2 d'énergie rapidement, pour pouvoir commencer à produire des vaisseaux. Et puis, parce que ma première action va être, comme à chaque fois, le stockage d'énergie pour gagner 2 ici. Stocker un vaisseau et exploiter un astéroïde pour après développer des vaisseaux. Voilà, tout simplement. Écoutez, on est parti. Je vous propose de commencer la partie tout de suite, après mon petit blabla d'un petit quart d'heure. Voilà, donc est-ce que c'est une bonne stratégie de mettre aucune planète ici? Du coup, je n'en révèle aucune, donc n'en révélant aucune. De toute façon, il faut que je terraforme des planètes en zone intermédiaire et en zone lointaine. Donc du coup, je n'ai pas d'intérêt à me mettre ici. À moins de trouver des mines ici pour repartir de là, mais au pire, je repartirai des planètes que j'ai colonisées ici. Donc toute l'action va se passer de ce côté-là. Allez, on est parti pour le tour 1. Hop, on déplace notre petit bonhomme, on tire une carte au premier, on voit ce que c'est. Ah, alors elle tombe maintenant, celle-là, c'est plutôt une bonne nouvelle en soi. Chaque joueur peut avancer une technologie de un niveau gratuitement. Les joueurs qui obtiennent des bonus technologiques à cette avancée sacrifient une ressource pour chaque bonus obtenu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de l'avoir maintenant, parce que du coup, je vais pouvoir avancer gratuitement une de mes technologies, peut-être typiquement la vitesse de déplacement. Je pense que je vais faire ça pour que mes vaisseaux après se déplacent le plus vite possible. Quitte à, voilà, comme je vous dis, moi j'aime beaucoup ce stabilisateur de trous de verre de 9 cases. Ça permet de traverser, du coup, vu que je vais être par là, je vais traverser en long en large la truc à la recherche de planètes qui m'intéressent. Donc je vais faire beaucoup de cartographie là pour essayer de trouver les planètes qui sont le plus pertinentes à utiliser. Alors c'est parti, je vais commencer par faire un stockage d'énergie. Donc ce stockage d'énergie me permet de produire 2 d'énergie. Que je mets ici, et je vais sacrifier un d'énergie, un de matière, pour faire un vaisseau spatial. Donc mon vaisseau part de la Terre, donc il part du système solaire qui est ici. Et j'exploite un astéroïde avec mon deuxième jeton bonus, là, qui me permet de faire ça. Donc au prochain tour, je vais pouvoir faire soit une avancée technologique assez impressionnante, soit construire des vaisseaux, je vais voir. Ok, donc du coup, mes vaisseaux se déplacent. J'ai fait mes missions gratuites, mais on déplace les vaisseaux. Donc le vaisseau, il avance tranquillement par là-bas. Il va voir un peu ce qui se passe par là. C'est la fin du tour. On résout la carte de progrès. Donc je vais avancer de 1 une technologie. Donc je vais avancer de 1 ma vitesse de déplacement, ici, tout simplement. Voilà. Comme ça, je peux me déplacer rapidement. Et je pense qu'au prochain tour, je serai déjà un déplacement de 9, ce qui sera énorme. On passe au tour 2 de jeu. On déplace nos petits marqueurs ici. Et on relève une nouvelle carte. La nouvelle carte, c'est quoi? Le joueur avec le plus petit niveau de terraformation pour produire un des matières d'énergie. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est moi, ça. Terraformation, je suis à... Terraformation, c'est là. Ici, là, je suis à 0. Lui, il est à 1. Hop, on ne le voit pas là-bas. Tac. Donc, du coup, c'est moi qui vais devoir produire, qui vais pouvoir produire un de matière et un d'énergie. Donc là, ce que je vais faire, je vais plutôt faire un... Alors... Soit je fais un développement technologique tout de suite, soit je fais une cartographie galactique. Parce que si je fais un développement technologique tout de suite, j'ai ça et ça. Ouais. Mon vaisseau se déplace de 9 et après je peux produire des vaisseaux gratuitement. Enfin, très très rapidement. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire un développement technologique maintenant. Donc je vais augmenter de 1 ma vitesse ici pour
obtenir le moteur à courbure d'espace-temps. J'arrive ici, voilà. Donc j'avance de 1 la pastille là, ça me permet. Donc je gagne un petit cube orange. Hop là. Et je vais également développer le stabilisateur trou de verre. Donc 2 oranges, 1 blanc, 1 noir, 2 de matière, 2 d'énergie, 1 d'antimatière, 1 de matière, voilà, pour arriver ici. En vitesse de déplacement. Donc là j'arrive à mon niveau 2, enfin au maximum de déplacement, que mes vaisseaux vont se déplacer 9 cases. Et pour produire des vaisseaux maintenant, ça ne me demande qu'un d'énergie. Et j'avance de 2 ma petite pastille. Ici. 1, 2. Je passe technologiquement, je suis devant lui. Ça me permet de récupérer un truc que j'ai mis dans la faille du Clausus. Donc je vais récupérer ma matière. Mon énergie, ma matière. Je ne sais pas trop quoi faire. Mon énergie pour produire des vaisseaux. Mon énergie. Allez, mon énergie, là, voilà. Est-ce que j'ai envie de sacrifier des trucs, là, pour sacrifier quelque chose, pour augmenter une pastille? Je pense que je vais utiliser une action gratuite qui est ici. Je sacrifie 1 d'énergie pour avancer de 1, toi, là. Et, du coup, gagner 1 d'énergie, là, ici. Voilà. Et c'est tout. Mes vaisseaux vont se déplacer, donc, de 9 cases, du coup. Donc, tu es à peine parti de terre que tu traces. Donc, je vais te faire amener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais te mettre là. Comme ça, tu peux aller voir ce qui se passe ici et voir ce qui se passe là-haut. Donc, j'ai moyen, voilà, de faire des trucs intéressants, sachant que prochain tour, je ferai une cartographie, de toute façon, prochain tour pour essayer de repérer où poser mon vaisseau, de toute façon. C'est la fin de mon tour. Je vais du coup résoudre la carte. Celui qui est le plus petit au niveau de terraformation pour produire 1 d'énergie et 1 de matière. Terraformation, on a vu que c'était moi, je suis au niveau 1. Donc je produis 1 d'énergie et 1 de matière que je mets ici. Voilà, c'est la fin du tour. On avance tout ce petit monde de une case. Le joueur avec le plus petit niveau de développement énergétique peut produire 2 énergies. Donc développement énergétique, ça c'est moi aussi, je suis à 1. Ah non, c'est lui. Malheureusement, je ne pourrais pas produire. C'est dommage. Je n'aurai pas ce petit bonus, ça m'aurait bien arrangé, mais tant pis. Je vais faire donc une cartographie galactique, maintenant. De façon à révéler 4 corps célestes. Hein, donc je vais révéler 4 corps célestes. Je prends ceux qui sont en zone lointaine. Hein, donc là, j'ai une planète alien. Une super planète. Ah, c'est pas mal, ça. Une planète rouge. Donc du coup, je sais que si je regarde la planète 3 et la planète 19, la planète 3 ne produit malheureusement pas d'énergie. La 19, c'est le cas. Voilà. La 25, la 28 aussi. C'est la grosse planète alien, 28. Donc bon, déjà, je sais que ces deux planètes-là, la 3 en terraformation, ne me coûte pas beaucoup. Donc peut-être que j'irai me poser là. Voilà. Donc je sais que ces deux planètes-là sont des cibles pour moi. Maintenant, il faut que là-dedans, j'arrive à trouver, si j'y arrive, d'autres planètes susceptibles de me recevoir. Donc je vais prendre celle qui est plus proche de moi. Je vais prendre celle-là. Ah, c'est une planète alien, malheureusement. Ça ne m'arrange pas des masses. Donc est-ce que je planifie une exploration ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que je fais mon action bonus? Non, parce qu'avec mon vaisseau de 9, je peux aller très très vite là-bas. Du coup, si je me pose là, par contre, après, je vais être condamné à coloniser que des planètes comme ça, quoi. C'est ça qu'il faut voir. Après, bon, la 19, elle me permet de faire des productions. Pour l'instant, bon, je suis à 0 en terraformation, donc je ne pourrais pas la terraformer. Mais bon, la 19 en production va me permettre de produire ça et de faire décoller des vaisseaux de là. Ça peut être intéressant. La 3, malheureusement, ne m'intéresse pas plus que ça pour l'instant. Il faut que j'arrive à trouver d'autres planètes. Bon, j'en ai deux là. Maintenant, je pense que je vais explorer les planètes qui sont ici un maximum. Donc, je vais faire beaucoup de cartographie galactique en espérant tomber sur les cartes de cartographie galactique rapidement ici, là, pour m'aider. Donc j'ai révélé 4 corps célestes, je peux avancer de 1 une pastille, alors soit une pastille bleue, soit une pastille rose, j'avance de 1 ici. Pourquoi? Parce que ça va augmenter facilement, je pense, avec la terraformation, tandis que ça va pas augmenter très rapidement, donc si j'arrive à être devant lui pour choper quelques petites médailles, c'est toujours ça de prix. Je ne fais pas d'action bonus. Ah, remarquez. Est-ce que c'est peut-être pas intéressant de sacrifier quelque chose, là? Si. Je vais sacrifier 1 d'énergie pour avancer de 1 sur la piste technologique et arriver ici. Donc je mets en jeu ce truc-là.
Et ce truc-là, à la fin du tour, si c'est moi qui suis plus avancé ici, il est pour moi. Donc ça fait déjà un petit point de prix. Je pense que chaque point va compter, là. On va faire un déplacement des vaisseaux. Alors, déplacement de vaisseaux, je dis que j'allais me poser sur la planète 19, de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Je pense après, je vais faire une colonisation de cette planète-là. Et après, je repartirai de là pour repartir par là. Ou je pars de là quand je crée des vaisseaux. De toute façon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enfin, je vais très loin en partant de la Terre. Avec notre mouvement, tu vas très très loin. C'est la fin du tour. On a déplacé les vaisseaux. On va résoudre la carte de progrès. Donc, le joueur, avec le plus petit niveau d'éloignement énergétique peut produire 2 d'énergie. D'éloignement énergétique, malheureusement, moi je suis à 2, lui est à 1, donc c'est moi. Donc je ne produis pas 2 d'énergie, ça m'aurait bien arrangé, mais tant pis. Par contre, je gagne cette petite pastille bleue, c'est toujours ça de prix. Voilà. Et on avance de 1 sur le compteur des tours. Un joueur avec le plus petit niveau de sens de l'antimatière, donc c'est moi, je suis à 0, peut faire un échange suivant, 1 d'énergie pour l'antimatière, 1 matière pour un antimatière. Ok. Qu'est-ce que je vais ? Je ne vais pas perdre de temps, je pense que je vais faire une... Je vais fabriquer des vaisseaux, je vais faire partir des vaisseaux de la Terre, au prix de 2 comme ça, voilà. Pour tenter une colonisation de masse après, donc tant que je peux le faire, donc je vais faire partir un vaisseau ici, là, un vaisseau ici, là, voilà, donc ils vont aller se répandre là et là, pour essayer après de refaire une cartographie galactique, pour essayer d'espérer trouver des trucs intéressants. Est-ce que je fais une action bonus? Non, je n'ai pas envie de faire une action bonus. L'action bonus, là, c'est de produire un vaisseau, j'ai pas envie. Et l'autre action bonus, c'est d'avancer d'un sur la piste, cette piste ici. J'ai pas envie de claquer des ressources pour l'instant, donc là, je reste là. Donc, on va faire déplacer nos vaisseaux, tout simplement. Alors, le vaisseau se déplace de 9 cases. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toi, tu vas aller par là, je pense. Toi, tu vas monter là-haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, toi tu vas te mettre là, et toi tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je te mets là, voilà. Hop là, comme ça, toi tu peux cibler ce qu'il y a là, toi tu cibles ce qu'il y a là, en espérant trouver d'autres planètes intéressantes. Est-ce que je peux faire ça? Je peux énergie pour un antimatière, matière pour un antimatière, je pense que je vais changer ça pour ça. Histoire d'avoir deux antimatières ici, ça peut être très intéressant d'avoir deux antimatières là pour faire de la développement technologique, je vais voir un peu ce que je peux faire après. C'est un nouveau tour qui s'enclenche. Donc, hop, hop, il me rattrape. Cette pastille-là est en jeu. Par contre, avant de faire ça, hop, je mets ça. Ça, j'avance de 1 tout ce petit monde-là. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, celle-là, elle est en jeu. Le joueur le plus bas sur la surface coloniale peut produire 2 de matière. Donc, ça, c'est moi, clairement, celui-là. Donc, je vais produire 2 blancs au tour d'après. C'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, ben, je vais refaire une cartographie galactique. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'arrive à trouver des planètes, c'est plus d'accueillir mes vaisseaux. Donc je vais commencer par toi. Une super Terre, c'est une bonne nouvelle. Une autre super Terre. Une planète bleue. Donc là, j'ai mes 5 nouvelles planètes, cela dit. Là, j'ai une comme ça, je suis déjà dessus. J'ai un truc comme ça. Par contre, il faut que je trouve autre chose. Parce que les super Terres ne produisent pas de matière. La planète 2 ne produit pas d'énergie, pardon. La planète 2 ne produit pas d'énergie, c'est pas une planète éligible. La planète 19, ok, ça c'est bon. La planète 3 n'en produit pas, donc je ne peux pas me mettre dessus. Les deux super Terres, la 17 ou la 6, ne me permettent pas de produire de l'énergie. Donc il va falloir que je trouve une autre planète où me poser qui produit de l'énergie. J'en ai déjà une, il m'en faut encore 2. Mais je sais que j'ai déjà 2 super Terres ici, c'est une bonne nouvelle. Il me reste encore une carte à retourner. Je vais retourner toi ici. C'est la 8. La 8 produit de l'énergie, ça c'est une bonne nouvelle, donc je vais me poser là, je pense. Je pense que je vais me poser là avec mes vaisseaux, donc ça c'est sûr, c'est que ce vaisseau-là va arriver là. Ce vaisseau-là va se mettre sur la planète 17, je pense, qui m'apportera quand même 3 points de victoire quand je vais la terraformer. Et il va falloir que je trouve une autre planète ici à terraformer. Oui, parce que du coup, c'est 2 ici, 3 ici. Attention, à terraformer, hein, donc là, faut pas rigoler, donc je vais voir un peu ce que je peux faire. Le problème, c'est que terraformer une planète de niveau comme ça, je peux pas mal de faire ça. Donc, je sais que j'ai une des super Terres ici. Je pense que je vais cibler les planètes rouges. Il n'y a pas beaucoup de planètes rouges quand même à terraformer. Enfin, je veux dire, pour mon objectif
de score, je pourrais pas faire 5 planètes, coloniser 5 planètes du même type, de type différent, parce que ça m'implique de coloniser les 5, terraformer les 5, je pourrais pas. Je pourrais pas terraformer des planètes comme ça. Donc, faut que je cible. Donc là, tu vois, je suis déjà niveau de terraformation 3. Je vais plutôt cibler la 6 alors avec ce vaisseau-là. Je vais cibler la 8 avec celle-là, avec ce vaisseau-là. Putain, ça va être tendu. On va voir un peu ce qu'on peut trouver, mais faut plus que je trouve le planète alien, quoi. Ok. Déplacement des vaisseaux. Ah non, attendez, j'ai fait ma truc et je peux déplacer de 1 sur la piste qui m'intéresse. Donc je vais me déplacer de 1 sur la piste technologique ici pour gagner un petit cube orange, ce qui est une bonne nouvelle. Je le mets là. Voilà. Ce faisant, donc du coup, on va déplacer nos vaisseaux. Donc j'ai dit que toi, bah, t'allais te poser là. Et toi, t'allais te poser sur la 6 là. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais pouvoir lancer mon prochain tour une vaste opération de colonisation. Du coup, on est à la fin du tour. Mes actions bonus, je n'en fais pas. Je n'ai pas envie d'en faire. Je vais résoudre la carte. Donc ça, c'est l'adversaire qui la gagne parce que c'est la supremacie coloniale. C'est lui qui est devant, c'est pas moi. Et je vais donc pouvoir produire deux matières parce que c'est quand même moi qui suis le plus à la traîne ici. Deux matières ici, voilà. Ok. Nouveau tour s'enchaîne. Hop, hop, il me rattrape ici. Et on tire une carte. Le joueur le plus bas sur la piste coloniale peut produire un de matière, et le plus bas sur la piste technologique peut produire un d'énergie. Donc c'est cool, si je ne bouge pas d'ici, je vais pouvoir produire les deux. C'est une bonne nouvelle. Donc moi, bah, du coup, j'ai un peu de question, je vais faire une colonisation ici. Voilà. Donc j'ai colonisé les planètes 19. La planète 6, tu es là. Et enfin là-bas, ça va être la planète 8. La planète rouge là-bas, c'est la planète 8 ici. Donc mes vaisseaux, hop, je les récupère, je les mets là. Je mets des petites pastilles sur la planète que je viens de coloniser pour ne pas l'oublier. Donc j'ai dit la 19, la 6 et la 8. Alors, on va regarder un petit peu nos petites planètes, qu'est-ce qu'elles nous permettent de faire. Je vais les mettre là-bas. Pourquoi tu es là, toi? Oui, j'ai oublié de te dégager. Donc, 8, 6, 19, elles sont là. Donc, la 8 me permet de gagner deux pastilles violettes, deux progressions sur la piste coloniale, et la 19, une pastille. Donc, je suis là, je fais 1, 2, 3. Ce faisant, je peux récupérer quelque chose de la feuille Clausus. Je récupère ceci de la feuille Clausus. C'est toujours bon à prendre. Voilà. Bon, du coup, j'ai colonisé quelques planètes. Maintenant, il faudra que je fabrique d'autres vaisseaux pour repartir à la recherche de planètes à coloniser et à terraformer. Il m'en manquera une ici, donc il faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas, et une ici. Il faut que j'étudie un peu comment je peux faire mon action ici, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est la fin de mon tour. De toute façon, je ne vais pas faire grand-chose. C'est la fin du tour, je ne fais pas d'action bonus, j'ai pas envie de claquer un truc pour faire de l'antimatière. J'ai deux antimatières ici, ça me suffit pour l'instant. Faut peut-être que je fasse un développement technologique au bout d'un moment, parce que de toute façon, même ne serait-ce que pour terraformer des trucs de niveau 3, il faut que je sois là. Donc il va falloir que j'avance, hop, je peux avancer assez efficacement par contre là. Ça c'est plutôt bien. Ok, et ben c'est un nouveau tour qui va s'engager de toute façon. Je ne fais pas d'action bonus, je n'ai pas envie. Donc du coup, le joueur le plus bas sur la supremacie coloniale, c'est moi pour produire un de matière. Et le joueur le plus bas sur la piste technologique peut produire un d'énergie. Donc je produis un de matière, un d'énergie que je mets. Je vais mettre ça, pas sur la Terre. Ah si, peut-être sur la Terre. Si, je vais mettre ça ici. Et toi, je vais mettre ça ici. Voilà. Pourquoi? Parce que j'anticipe le fait de pouvoir faire des recherches technologiques ici et développer ma recherche génétique alien. Un nouveau tour de jeu se met en place. On peut construire un vaisseau gratuitement, c'est une très bonne nouvelle. Parfait. Je m'attendais pas à ça, mais c'est très très bien. Donc qu'est-ce que je fais? Alors voilà, du coup, je vais peut-être faire du coup un développement technologique maintenant. Je vais avancer, développer technologiquement ma production de planètes ici. Et encore un coup, là, pour déjà terraformer des planètes de niveau 2, il faut que je sois au moins niveau 3 pour terraformer des planètes.
Ouais, j'ai une planète niveau 3 qui est celle-ci, et deux planètes niveau 2 qui sont celle-ci, donc voilà. Il me reste ça, maintenant je ne peux pas faire grand chose avec ça pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Il me manque une ressource blanche ici pour terraformer les planètes niveau 3, ce qui est dommage. J'aurais dû attendre un peu peut-être pour lancer ma technologie. Mais bon, c'est pas grave. Je ne fais aucune des deux actions bonus, parce que là au pire j'arrive là. Ouais, de toute façon il me le prend quoi qu'il arrive, le jeton qui est ici, donc du coup je ne pourrais pas. Donc on passe à la résolution de la carte. Chaque joueur peut produire un vaisseau gratuitement, c'est une bonne nouvelle ça. Donc je vais mettre mon vaisseau et je vais le mettre ici. Il va partir d'ici, voilà, on va explorer ce qu'il y a là. On va essayer de trouver des planètes dans cette zone-là à coloniser et à terraformer après. Nouveau tour de jeu, on avance les petits pastilles ici, tac tac, donc ça ces pastilles sont mises en jeu par l'adversaire. On peut gagner une médaille, avec le moins de médailles, on peut gagner une médaille technologique ou une médaille scoloniale. Donc des médailles, moi j'en ai, lui il en a une, moi j'en ai une, donc du coup ça va, c'est très bien parce que du coup je vais pouvoir avancer de 1 ici. Donc mon vaisseau étant là-bas, je vais tout de suite faire une cartographie galactique pour repérer des planètes éligibles à la colonisation, à la terraformation pour ma mission. Donc du coup, je sais qu'il m'en faut encore une ici et une ici. Donc je vais faire un peu au pif, je vais faire ça. Là j'ai une planète rouge. Par contre c'est niveau 4 de terraformation, donc ça ne m'intéresse pas, trop dur. Une super Terre qui est ici, niveau 2 de terraformation, ça peut être intéressant. À condition que je trouve une autre super Terre, là. Parce que j'ai déjà colonisé une super Terre. Voilà, du coup, il faut que j'arrive à trouver des planètes. Donc, j'en suis à deux de retourner. Je vais regarder ce qu'il y a ici. Une super Terre. Ah, voilà. Niveau 3, très bien. Et là, OK. Bon, je pense que ma stratégie est dessinée. Oups là. Ma stratégie est dessinée, c'est-à-dire que je vais prendre la 16, je vais prendre la 7. Donc, ça fera 3 planètes ici et 2 planètes là. Et je vais gagner les points pour avoir colonisé 3 planètes de même type, de 3 planètes de type super Terre. Voilà. Et après, il va falloir que je m'attelle à terraformer tout ce bazar. Je peux augmenter de 1 sur la piste qui m'intéresse. Donc, j'ai augmenté de 1 sur la piste coloniale pour gagner un petit point, au moins avoir un petit point. Ou là. Ouais, là, technologique, voilà. Je me mets en technologie. Ça, colonial, je vais en gagner en terraformant, donc bon. Et on va faire déplacer les vaisseaux. Donc, j'ai dit que les vaisseaux, bah, du coup, toi, tu allais faire... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc tu vois, tu fais le tour, tu passes par là, tu gagnes une petite pastille ici, toujours bon à prendre, voilà. Et tu te poses là, voilà. Par contre, il faut que je pense à produire un vaisseau pour aller me mettre ici. Donc je sais que j'ai un ici pour produire un vaisseau sur cette planète-là. La planète 6, elle est où? Elle est là, elle est un peu loin. Donc au pire, je fais une action de production là pour de la planète 8. Pour aller me poser sur la planète 7 qui est là-bas. Voilà. Est-ce que ça va passer en termes de points, je ne sais pas, mais on le tente comme ça. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, est-ce que je fais mes actions bonus? Non, je n'ai pas envie de faire mes actions bonus. Peut-être bien que si, par contre. Peut-être bien que si. Parce que je vais... ici... faire mon progrès scientifique. Je vais utiliser un de matière, là, un d'énergie, pardon, pour avancer de 1 sur la piste bleue, qui est celle-ci. J'arrive à son niveau. Alors, pourquoi je fais ça? Ça ne m'empêche pas d'avoir la médaille qui est là. Du coup, si, j'ai gagné cette médaille-là, parce qu'on est tous les deux sur la même case. Donc, cette médaille-là, déjà, je vais la gagner. Et en plus, vu qu'on va avoir le moins de médailles, parce qu'on résout d'abord la carte, et après, on gagne les médailles. Donc, comme je vais avoir le moins de médailles, je vais pouvoir progresser de 1, ici, et du coup, gagner une petite pastille, un petit élément d'énergie pour produire un vaisseau le tour d'après, sans avoir à faire de production. Et ça, c'est pas mal. Donc, je vais faire ça. Eh bien, je viens de le faire. Du coup, on a déplacé les vaisseaux. On va résoudre la carte de progrès. Donc, la carte de progrès me dit quoi? Le joueur avec le moins de médailles gagne un d'énergie ou un de colonie. Donc, moins de médailles, on a un partout. Donc, je décide de gagner un sur la piste technologique. Donc, j'arrive là. Ce faisant, je gagne un petit cube comme ça que je mets sur le vaisseau que je veux. Donc je vais le mettre sur la planète 8, ici, voilà, pour pouvoir fabriquer un vaisseau et aller me poser sur la 7 là-bas. Et on distribue les médailles. Donc du coup, ce truc violet appartient au bleu parce que, ben voilà, il est plus avancé que moi sur la piste.
Par contre, alors attendez, je ne trouve plus ma poche à médaille. Voilà. Par contre, la médaille bleue qui était en jeu ici, elle arrive à la fois chez moi et chez lui. Parce qu'on est. Et non, elle arrive carrément que chez moi en fait. Parce que du coup, je lui suis passé devant grâce à la carte. Donc du coup, hop, celle-là, elle est que pour moi. Et voilà. On est à deux partout. Deux médailles pour lui. Pour moi, deux médailles pour lui. Et c'est un nouveau tour qui commence. Donc on est bien au tour 9. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on arrive au tour là. Hop, hop. Et on pioche une nouvelle carte. Ah, le joueur doit révéler à la fois. C'est un peu trop tard. 4 corps célestes. C'est un peu trop tard. Dommage. Tant pis. Donc du coup, tant pis. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire une conjonction spatiale pour construire deux vaisseaux. Un sur la 6, un sur la 8. Un sur la 6, sorry, ou la 6, elle est là. Voilà. Pourquoi ici? Parce que j'ai quand même bon espoir de trouver une mine. Et un sur la 8 est ici. Si je trouve une mine, au moins avec lui, il sera déjà dans l'espace, il pourra se poser sur une mine. J'aurai pas besoin de créer un nouveau vaisseau pour ça. Voilà. Est-ce que je claque des ressources pour avancer ici? Ouais, je vais claquer un d'énergie. Un de matière, pardon, pour avancer de 1 sur la piste violette, là. Et ce faisant, je le récupère. Voilà. C'est juste, voilà, juste permettre de le récupérer. Alors attends, par exemple, je récupère lui ou je récupère de la matière. Fais voir, en termes de mes planètes, qu'est-ce qu'elles demandent en terraformation? Ça me demande quand même beaucoup pour être terraformé, beaucoup de cubes orange. Donc j'ai plutôt récupérer un de matière, je récupère un d'énergie. Parce que pour être terraformé, ça me demande quand même beaucoup de. Voilà. Par contre, il faut que je pense à augmenter ma technologie ici, à un moment donné, pour pouvoir justement. Terraformer des planètes de niveau 3, parce que j'ai quand même une de niveau 3 à terraformer. Faut pas que j'oublie ça. Faut que j'arrive à produire. Et mais du coup, je viens de le faire. Attends, là, pourquoi j'ai pas récupéré. Ah ben non, je suis con. Attends, qu'est-ce que je viens de faire comme bêtise, moi? J'ai avancé de 1, c'était comme ça. Et oui, non, d'accord. Et je produis. Je te récupère pas de là-bas, je suis con. Je le produis. Pouf, voilà, je le mets là. Ça y est, la liance, c'est. Pas facile, le gars. Attendez, je fais un petit replay pour savoir si j'ai bien le bon nombre ici. Je reviens vers vous juste après. Oui, après avoir revu un peu la vidéo, j'ai utilisé un bonus pour avancer ici. J'ai avancé ma capsule là, ça va là, mais je la récupère pas. Hein. C'est une bêtise, hein. Je la produis, donc je la prends de là et je la mets ici. Ce qui est plutôt bien, ça me permet d'arriver là. Du coup, on va pouvoir révéler 4 corps célestes, parce que du coup, j'ai fait toutes mes actions gratuites. Je vais révéler 4 corps célestes. Non, d'abord, je vais déplacer mes vaisseaux. Ah bon. Donc, j'ai dit que toi, tu allais te poser sur le 7, là-bas. Voilà. Et toi, bah, tu vas rester en attente, je vais te mettre ici. Voilà, tu vas rester en attente, et puis on va révéler 4 corps célestes autour là, pour espérer trouver une mine, tout simplement. Donc, maintenant, bah, on va pouvoir résoudre la carte, ça y est. On va retourner 4 corps célestes, donc 1, une planète 1, 2, 3, 4. Malheureusement, j'ai pas de mine. Donc, bah, du coup, lui, il va rester un petit peu là, comme un gland, en espérant trouver une mine un peu plus tard. Voilà, je vais essayer de. Là, 4 corps. Et après, j'ai encore 4 corps, mais bon, j'ai pas forcément envie de faire des actions. Alors, on avance de 1, le petit méchant. Hop, il avance de 1 toutes ses technologies. Oups là. 1, voilà. Bizarre sa tête de technologie à lui là. Ça doit être un truc comme ça. Normalement, ça s'avance de manière. Oui, c'est ça, voilà, c'est comme ça. Et on tire une nouvelle carte. Le joueur le plus avancé sur la piste de suprématie technologique peut récupérer la prochaine médaille de la piste. Donc là, effectivement, j'ai peut-être tout intérêt à essayer de me mettre à son niveau pour qu'on la récupère tous les deux. Je vais même le dépasser parce que je vais faire un. Je vais faire un développement technologique en utilisant ça pour atteindre mon niveau de terraformation 3, ce que je cherchais, et gagner ainsi une passive bleue. Donc j'arrive à son niveau ici, donc ça c'est plutôt cool. Donc cette médaille-là est forcément à moi. Il y a peut-être un autre coup à faire. Je vais peut-être faire une doublette. Alors du coup. De toute manière, je peux produire sur deux planètes. Il va falloir commencer à faire des productions en masse parce qu'il va falloir commencer à faire ce qu'il faut pour terraformer un peu tout ce merdier. J'ai plus beaucoup de tours. Donc j'ai un tour de colonisation à faire.
et des tours de production jusqu'à ce que je puisse la reformer. Donc, il va pas falloir traîner. Je vais claquer quand même une antimatière pour avancer de 1 sur la piste technologique. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'aller ici. Je mets ça en jeu. Et ça dit que le joueur le plus avancé sur la piste de supervision technologique récupère la prochaine médaille disponible. La prochaine médaille disponible, c'est celle-ci. Du coup, à la fin du tour, je vais gagner et celle-là, et celle-là. Je vais gagner 2 médailles. Et là, c'est plutôt cool. Fin du tour, déplacement des vaisseaux. Donc toi, tu vas continuer à errer sans but et je vais te mettre par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, le 6 ici, tac, voilà, pour, en espérant voir ce qui se passe ici. Du coup, on résout la carte. Donc le joueur le plus avancé sur la piste technologique, c'est moi. Je lui passe devant, je prends cette carte-là. Et on distribue les médailles. Donc cette médaille-là, c'est la technologie, c'est moi qui suis devant, je la prends. Voilà, et on fait un nouveau tour. Tour 11. Hop, on met ça en jeu. Et on tient la carte. Le joueur le plus bas sur la piste de supervision technologique peut avancer gratuitement une technologie d'un niveau qui n'a pas d'antimatière en son coup. Et là, ça c'est plutôt cool parce que je vais pouvoir avancer de 1, je pense, là, le transfert d'énergie, le transfert de trucs pour pouvoir justement déplacer des trucs d'une planète à l'autre. On est bien au niveau tour 12, je vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est au tour 11, pas au tour 12, voilà. Du coup, qu'est-ce que je fais moi? Je fais une action de colonisation, j'ai pas le choix maintenant, il faut que je colonise. Donc, je vais coloniser mes deux planètes qui restent. Donc, je vais coloniser la 16 et coloniser la 7. Voilà. Donc, je vais prendre la 16 et la 7. La 7, elle est là. Et la 16, elle est là. Alors maintenant, là, il va falloir que je produise des ressources en veux-tu en voilà pour arriver à terraformer tout ça. Et là, ça va être un petit peu compliqué. Ça va être excessivement compliqué, mais je pense. On va essayer, mais on va voir comment on peut faire. Est-ce que j'ai envie d'avancer de 1 sur la piste rose Oui, ça me fait. J'arrive à 2 points. Ouais, c'est pas forcément très pertinent de claquer des ressources pour ça pour l'instant, que j'ai plutôt rien faire. Dépassant des vaisseaux, toi tu restes toujours là-bas, tu bouges pas, hein, jusqu'à ce que je trouve quelque chose, on verra bien. Du coup, hop, toi, c'est à l'adversaire, et moi je peux produire, le plus bas sur la technologique, c'est moi, on est à égalité, je peux avancer de 1 quelque chose, donc j'avance de 1, ça, qui va permettre de déplacer une ressource d'une planète à l'autre. Maintenant, du coup, je vais faire une action de production. Nouveau tour. Attendez, avant de faire ça, on avance tout ce petit monde de 1. Voilà, on tourne la carte. Le joueur le plus avancé sur la piste de supremacie coloniale peut récupérer la prochaine médaille disponible. Alors, colonial, c'est clairement lui, donc celle-là, je ne vais même pas me battre. Je suis trop à la bourre pour aller la chercher. Par contre, je vais faire de la production. Donc, je peux produire sur deux planètes différentes. Donc, je vais produire ici, sur les grosses planètes qui produisent, celle-ci. Et je produis 2 ici. Voilà. OK. Alors. Je peux faire du mouvement de trucs d'une planète à l'autre. Hein. Donc, je peux en faire un. Pas terrible, mais je peux en faire un. Toi, tu vas aller là. Voilà, donc là, du coup, je suis prêt. Donc, j'ai ce qu'il faut pour terraformer toi. Et toi, du coup, toi, après, au prochain tour, je peux t'échanger. J'ai pas envie de t'échanger, voilà. Au prochain tour, il faut quand même que je continue à faire des... Je vais sacrifier un... d'antimatière pour faire pour exploiter un astéroïde et mettre des ressources sur la Terre. Comme ça, j'irai les chercher après en échange, en déplacement. Et d'ailleurs, je peux le faire maintenant. D'ailleurs, si je l'ai pas encore. Non, ce que j'ai pas fait, j'ai fait le déplacement. Ce que j'ai pas fait, c'est le transfert de l'un à l'autre. Mais du coup, au moins, ça, c'est sur la Terre. Je pourrais le déplacer là-bas après. Déplacement des vaisseaux. Toujours, tu bouges pas. Toi, tu vas gagner la prochaine piste coloniale. C'est toi. On va avancer d'un cran. Hop, on est au tour 13. Ça va être très compliqué. Ah, on peut réveiller 4 corps célestes, ça c'est cool. On espère en trouver une mine. Donc, je vais faire un déplacement. Je vais envoyer quelque chose d'ici à là. Par exemple. Non, d'ici à là. Je vais le mettre là. Voilà. Ça va devenir ça.
Voilà. Et je vais faire une action de terraformation. Une. Pour terraformer cette planète-ci, déjà. La 8. Hop, voilà. Ok. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Parce que moi, en produisant, j'ai plus assez de ressources pour produire ce que je veux à foison, donc ça va être excessivement compliqué. C'est un nouveau tour qui s'engage, mon vaisseau ne bouge toujours pas. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même révéler les planètes. Donc là, j'ai une mine, très bien. Hop, hop, hop. Donc avec mon dev de mouvement, je vais pouvoir aller là et puis finir sur la mine, je pense, au prochain tour. Tour 14. Putain, ça passera pas. Donc le plus niveau physique peut faire autant d'échanges qu'il le veut. Un matière pour une énergie, une énergie pour une matière. Ça, c'est une très bonne chose. Je vais faire une action de production. De toute façon, là, c'est tout ce qu'il faut que je vais faire. Je vais tenter une action de production. Alors, attends, on va faire une action de production. Donc, toi, je vais te déplacer ici, par exemple. Voilà. Je vais produire, là, sur cette planète-là, je vais produire 2 cubes blancs. Comme ça, je peux te terraformer. Cette planète-là, je vais produire... Attends, là je produis 2 cubes blancs ici, 2 cubes blancs, 1 cube orange, et 2 cubes blancs ici, mais après il faut que je les déplace. Donc je vais produire ça ici, ça ici. Voilà. Et je vais transformer ça en ça. Voilà. Je vais déplacer, ok. Toi après toi, je vais pouvoir t'amener ici. Putain, faut que j'arrive à... J'ai plus assez de ressources ici, de toute façon. Donc ça va être un petit peu compliqué. Faut que j'ai une terraformation. Oh, puis ça passe pas. Là, je suis là. Terraformation. C'est perdu. C'est perdu, poil au cul. Ouais. C'est perdu, j'arrive pas à tout terraformer. Je n'arrive pas à tout terraformer, c'est perdu. Merde. Oh, quel con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je suis 12, 14, ouais. Bon, on avance tour 15, de toute façon, mon action de carte, je ne peux pas la faire. Donc, hop, lui, il avance d'un cran et tout le monde gagne ici. Tout le monde arrive là, d'un niveau. Voilà. On tire une nouvelle carte. Je peux faire les échanges suivants. Un d'énergie pour deux matières, un matière pour deux énergies. Mais bon, j'ai plus de stock ici, donc de toute façon... Qu'est-ce que je peux faire? Le problème, c'est que si je fais ma terraformation maintenant, je ne peux pas la faire au tour d'après. Donc, de toute façon, c'est la merde. Alors, attends, il faut que j'arrive à mettre toutes mes ressources sur mes planètes à ce moment-là. Un joueur peut faire une séance suivante. Un d'énergie pour deux de matière. Un de matière pour deux d'énergie. Est-ce que je peux jouer avec cette carte-là? Mais non, de toute façon, techniquement, j'ai pas assez de ressources, de toute façon, pour tout terraformer. Là, il manque un blanc, et là, il manque un blanc et un rouge. Là, ici, là, j'ai ça. Donc, alors, si. Est-ce que je peux exploiter un astéroïde? Non. Attends, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Le problème, c'est que je ne peux pas transférer trop d'un truc d'un truc à l'autre. C'est ça le problème. Il faut que je mette des ressources là pour pouvoir après les changer, mais je ne vais pas pouvoir le faire. Stockage d'énergie, c'est que je stocke des trucs sur la Terre. Le stockage d'énergie, c'est ça. Hein, je ne produis pas stockage d'énergie. Ah non. Une planète que je contrôle, d'accord, donc je peux stocker l'énergie sur une planète que je contrôle, donc ça peut être intéressant, fais voir. En quoi ça peut être intéressant de faire ça? Si je transforme ça... en blanc, là, donc j'ai gagné un comme ça, je vais faire si je fais un stockage d'énergie, ça je peux le récupérer, du coup, et le mettre sur une planète que je contrôle. Le mettre genre ici. Au tour d'après, ça peut aller là. Mais il va manquer une ressource. Il manque une ressource, de toute façon.
Il me manque une ressource. Je sais plus ce que j'ai fait comme mouvement. J'ai fait ça, j'étais comme ça, je crois. Il me manque une ressource. Et parce que là, j'en ai deux qui me manquent. Et là, j'en ai qu'une. Donc, que faire à son tour de jeu? Je vais pas faire la position, je vais la faire. Que faire à mon tour de jeu? Est-ce que je peux du coup gagner quelque chose là? Fais voir. Ben non, parce que là du coup je l'ai pas. Après une petite coupure, parce que je m'étais un peu mélangé les pinceaux dans les ressources disponibles. Voilà, donc du coup on revient un peu à nos moutons. Il faut que j'arrive à faire en sorte d'avoir ce nombre de ressources. Donc tu vois, l'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir essayé de garder l'antimatière, mais je n'en produis pas d'antimatière. Donc pour ce scénario là typiquement, les trucs que tu utilises, bah, c'est l'antimatière ici pour aller dans la feuille Clausius. Il faut absolument que tu gardes ça, parce que tu vois, pour terraformer là je suis trop court, la cuisine y joue là. Qu'est-ce que je peux faire comme action? Si je fais une terraformation, non. De toute façon, mes actions sont relativement limitées. Hein. Si je fais ma terraformation maintenant, je ne peux pas la faire au tour d'après. Et du coup, ça ne va pas. Donc, je peux déplacer cette ressource ici, par exemple. Voilà. De la terre à là, avec cette action-là. Ça, je l'ai faite. Voilà. Du coup, en terraformant, je terraforme 3. Par contre, celle-là ne sera pas terraformée. Et du coup, ben, je perds la partie. Donc, il faut que j'arrive à mettre ici assez de ressources pour pouvoir le faire le tour suivant. Donc, stockage d'énergie. Si je fais un stockage d'énergie, ben non. Stockage d'énergie, donc, grosso modo, si je prends une ressource orange d'ici, par exemple, admettons, je fais un échange. Donc là, j'ai fait de là à là. Maintenant, je peux faire de là à là. Je fais comme ça et je change ça ici. Je produis l'énergie. Produit l'énergie, je fais un stockage d'énergie. Pardon. Stockage d'énergie, je vais produire ce que je produis là, 2 oranges. Le problème, c'est que j'ai qu'un seul orange ici. Donc l'orange que j'ai ici, je le mets là. Le problème, c'est que du coup, après, j'ai plus de ressources disponibles ici. Voilà, plus de ressources disponibles. C'est la merde. Donc après, admettons, je terraforme. Mais il va me manquer une ressource ici pour terraformer. Je ne vois pas comment je peux mettre une ressource ici en terraformation. La partie est donc perdue. Poil au fion. Parce qu'à mon tour d'après. Donc de toute façon, voilà, faut que j'avance. Enfin, de toute façon, je peux pas là. J'ai techniquement pas assez. Donc de toute façon. Donc du coup, bah, c'est la fin du tour. Je peux échanger un d'énergie pour deux matières ou une matière pour deux d'énergie. Malheureusement, bah, j'ai plus. Je peux pas le faire. Du coup, on avance un tour. C'est le tour 16. Le joueur avec le plus niveau de vaisseau spatial peut dépasser chacun des vaisseaux 2 hexagones. Malheureusement, ben, ça ne me sert pas à grand chose. Ah bah ben, si, je peux bouger au moins ma truc ici sur une mine. Ah ben, non, du coup, je fais hop là. Donc j'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai oublié de dépasser mon vaisseau au tour d'après, mais c'est pas très impactant. Ça me fait gagner un petit point ici, mais mes objectifs ne sont pas remplis. Donc, et là, c'est ma dernière action. Donc c'est forcément une action de terraformation que je dois faire. Donc celle-là, je terraforme toi, comme ça ici. Donc toi, c'est bon, t'es terraformé. Ah putain, il y a peut-être moins. Si. Oh putain. Oh, c'est très bon ça. On s'en sort. Oh, on s'en sort. Ouh, je gagne deux. Putain, j'ai oublié ce détail-là. En terraformant cette planète-là, je gagne 2 avancées coloniales. 1, 2. Je produis un cube blanc que je mets là. Je fais un échange entre ça. Et ça. Oh putain, ça passe. Oh putain, c'est bon. Oh, j'avais oublié et ça passe. Oh là là là. Du coup, je terraforme celle-là. Qui me fait avancer de 2 sur la piste ici. 1, 2. Je terraforme celle-là. Qui me fait avancer de 2 sur la piste ici. 1, 2. Ce faisant, je récupère une petite pastille blanche que je mets un peu où je veux. Bon, je vais la mettre sur la terre de toute façon. Et je terraforme celle-là. Qui fait avancer de 2 sur la piste ici. 1, 2. Et je récupère une autre pastille blanche. Oh, oh la vache, j'ai cru que la partie était perdue. Et on s'en sort avec une espèce de grosse. J'avais complètement oublié qu'en terraformant les planètes,
tu avances. Et ouais, du coup, et ouais, c'est très très bon ça. Je vais juste quand même vérifier un petit truc, parce que ça me ferait chier que ça marche pas. Juste pour être sûr que les pastilles que tu gagnes quand tu es là, tu les mets où tu veux. Hein. On est d'accord. Hein. C'est marqué où? Voilà. Oui. Sur votre, marqueur atteint, on traverse une case avec l'icône énergie ou mince matière. Vous pouvez immédiatement produire ressources du type indiqué sur n'importe quelle planète que vous contrôlez. Voilà. Et eh ben c'est bien vu. C'était exactement ce que je voulais faire. C'est planifié au millipoil de fion. Non, j'ai eu un coup de bol. J'avais complètement oublié qu'effectivement, en colonisant, en terraformant une planète, tu peux progresser là-dessus. Tu vois, par exemple, j'aurais terraformé celle-là en premier, ben, je l'avais dans le baba parce que celle-là ne t'apporte rien. Et ben du coup, pour fêter ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action gratuite. Je vais sacrifier ça pour produire un antimatière. On résout la carte. Il ne se passe rien. Du coup, en faisant ça, tu vois, j'ai même pas atteint la fin de la piste, cela dit, avec tout ça. Et en termes de technologie, j'ai rien développé. Hein. Mis à part la vitesse de déplacement, ça a été très 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 tendu. Bon, il est temps de faire le décompte des points. J'espère franchement que ça passe, parce qu'avec ce dernier move là, dis donc, hein, les campagnes d'après vont être pires que tout, quoi. Alors, on va procéder au décompte des points. Alors, je gagne un point de victoire pour chaque antimatière sur mes planètes. J'ai deux antimatières sur la Terre, donc je gagne 2 points. 5 points de victoire si j'ai colonisé 5 planètes de types différents. Alors non. Donc là, j'ai clairement 0. Donc là, c'est peut-être là que ça va pêcher. Par contre, j'ai gagné 3 points parce que j'ai colonisé 3 super-terres. 1, 2, 3. Colonisé 3 super-terres. 1, 2, 3. Voilà. Attendez, il y a un truc qui me taraude là dans mon truc. Et non, j'ai perdu la partie. Mais je suis con à manger du foin. Oh là là, qu'est-ce que je suis con à manger du foin. Oh, sans déconner, perdre là-dessus. Ah putain, j'ai les boules. Oh, j'ai des boules. Perdre là-dessus, mais qu'est-ce que je suis con. Mais c'est pas possible d'être aussi bête. Qu'est-ce que j'étais dans mon truc et j'ai pas du tout percuté. Il fallait pas coloniser trois super terres. C'est n'importe quoi parce que du coup, mon soutien logistique n'est pas valide. Oh les boules. Ah non, pourquoi. Oh putain, je vais refaire une partie, c'est obligé. Je peux pas rester comme ça. Je vais refaire une partie. Je m'épuise. Alors, juste pour le plaisir, on va finir le décompte des points, mais je refais une partie, c'est pas possible autrement. Allez, juste pour le plaisir, en partant du principe. Bon, l'objectif n'est pas atteint, mais on va quand même bien voir. Putain, mais c'est pas possible. C'est le premier équipe de base, celui de base, coloniser 3 planètes pour son énergie. Je l'ai perdu de vue complètement. Il aurait fallu que je me pose sur. Et ouais, il ne fallait pas poser sur 3 planètes comme ça, il fallait me poser. Sur une super Terre et trois planètes rouges, par exemple. Ouais, là, ça passait. Là, j'avais la 21, mais il fallait 4 niveaux de terraformation, ça passait pas. Oh là 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 là. Ou les 1 ou les bleus. J'aurais dû prendre 3 planètes bleues. La 1, la 13, la 1, la 2, la 13, ça passait. Je prenais ces 3-là, c'était bon. Plutôt que faire cette super Terre-là, celle-là. Parce que la super Terre, je l'avais ici. Là, peu importe. Oh putain. Oh non, perdre là-dessus, quoi. Oh là là, c'est une honte. Allez, je continue mon décompte de points. Parce que voilà, hein, 2 ici. 2 parce que j'ai atteint mon niveau maximal de technologie une fois sur le déplacement spatial. Nombre de pastilles gagnées, j'en ai
4. Les planètes colonisées, donc j'en ai 0 en zone proche, 3 en zone intermédiaire, ça fait 6 points, et 2 en zone lointaine, donc ça fait 6 points aussi. Donc je suis à 12 au total. Mon score sur les pistes, donc j'ai 6 en colonie, 4 en technologie, donc je suis à 10. Le point des planètes terraformées, 2. 4, 6, 9, 12. Et mes objectifs. Non, mais de toute façon, c'est pas, j'ai 13 en points d'objectif. 13, voilà, 13. Parce que celui-là n'est pas rempli, celui-là. Donc je ne peux pas le valider. Mais bon. Bah, du coup, on va faire un petit calcul quand même. Hein. Je peux voir à quel point on s'est fait mal. Après, je me ferai un gros coup de gomme pour refaire des calculs. Donc, du coup, 2 plus 3 plus 2 plus 2 plus 4 plus 12 plus 10 plus 12 plus 13. Je suis à 60 pile poil sans compter cet objectif-là. Mais du coup, la partie est perdue parce que je n'ai pas été foutu de coloniser 3 planètes qui produisent de l'énergie. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis neuneux? Bon, et bien ce que je propose, moi, c'est que je vais refaire un setup, rapide, et je refais une partie, et je vous la présente dans la foulée juste après celle-là. Hein, ça fera une grosse vidéo de 4 heures, tant pis, je m'en fous, où je ferai peut-être deux vidéos, un jour d'écart, mais voilà, on peut pas rester là-dessus sur une telle bêtise, une telle boulette de ma part. Par contre, ça m'a quand même fait une bonne expérience, déjà de savoir que quand tu terraformes, hein, t'oublies pas de progresser là-dessus, et du coup, ça peut t'avancer et t'aider, c'est important. Par contre, à sacrifier les antimatières, dans la famille Clausius, voilà. T'as pas besoin de beaucoup d'antimatière pour ce scénario-là. Peut-être essayer d'augmenter un de plus ça, le transfert, là, pour pouvoir... ça soit plus facile pour toi. Bon, le mouvement, c'est indispensable. Bon, mais écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Désolé pour cette énorme boulette. Je pense que, voilà, enfin, s'il y a des amateurs du jeu là qui regardent ça, marrez-vous, allez-y. Marrez-vous bien. Je pense que vous... Enfin, voilà, vous regardez la vidéo après, vous le voyez. Moi, j'étais dans mon truc, je ne l'ai pas du tout vu. Je n'ai pas vu du tout. C'est une erreur de stratégie colossale, quoi. M'être planté à ce point-là, d'avoir perdu de vue mon objectif. Bon, tant pis, c'est comme ça. Allez, je vais refaire une partie. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à plus tard. Salut, bye bye.